Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'actualité locale, plus particulièrement à ce qui s'est passé ce matin. Il y a quelques instants d'ailleurs, vous voyez sur notre écran de Nile TV International, donc en direct, le président de Fatah Sisi qui a inauguré une usine de fabrication de gaz médical et industriel et une usine d'ultra-oxyde d'hydrogène à Abu Rawash dans le gouvernorat de Gizeh. Ces usines appartiennent à l'une des plus importantes entreprises du secteur public pour la production des produits chimiques. Cette entreprise a réalisé des progrès records durant les 6 dernières années en inaugurant plusieurs usines de produits donc chimiques. Nous allons revenir sur cet événement donc avec nous par téléphone, Monsieur Hazem Hassan, analyste politique. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Alors, comme nous pouvons le voir depuis ce matin, le président de la Fatah Sisi a inauguré un des plus importants projets, notamment dans le domaine médical. Nous avons vu qu'en 2016, il y avait une crise, notamment due à la pénurie de certains médicaments due à la fermeture de plusieurs usines suite à la crise économique. Aujourd'hui, l'Égypte reprend en main les choses et inaugure cette usine. Est-ce que on peut dire qu'on essaye d'éviter les dégâts du passé? Ça, c'est sûr. Et non seulement éviter les dégâts du passé, mais aussi quand on regarde justement les produits chimiques intermédiaires, on voit que ça dépasse justement la satisfaction du besoin de l'Égypte. Là, par exemple, quand on voit cette usine qui produit des gaz justement qui y servent dans la médecine et dans l'industrie, bah, ça, c'est une chose qui est très importante justement, non seulement pour le soin médical, mais aussi pour l'industrie. Donc, on voit que ça satisfait vraiment le marché égyptien et aussi, ça aide à profiter justement des ressources naturelles que l'Égypte possède. Déjà, ça va sur le même plan et ça suit vraiment les directives du président qu'on exploite nos ressources naturelles nous-mêmes au lieu de vraiment exporter justement les matières premières sans en profiter. Justement, il a ouvert une série d'usines, justement, pour industrialiser ces matières premières et, justement, gagner l'argent de cette transformation industrielle. Alors, l'avantage ici, c'est que, alors, on le voit, c'est une entreprise du secteur public, c'est-à-dire que c'est le secteur public qui va prendre la démarche donc d'utiliser ces nouveaux moyens et ce qui permettra aussi de rebooster ce secteur public. Exactement, parce que là, on voit que le secteur privé a travaillé, ça c'est sûr, il faut l'encourager par les lois, offrir vraiment l'infrastructure pour s'épanouir encore plus, mais aussi le secteur public joue un rôle important comme les usines qui étaient construites justement dans les années 50-60. Là, ce qu'on va faire avec, il faut justement pousser en avant ces usines pour être productif et participer dans l'amélioration de l'économie égyptienne. Alors, il faut dire que c'est un besoin important. Oui, alors il faut dire que c'est la troisième usine. Donc l'Égypte a réussi. Donc on a dit que 2016, il y avait cette crise de pénurie de médicaments. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, donc nous avons des usines du secteur public, c'est-à-dire que c'est l'État qui va pouvoir fournir donc ces besoins-là pour ne pas dépendre du secteur privé comme l'avait fait auparavant. Quelles sont selon vous les attentes dans le niveau médical? Nous savons que l'Égypte essaye de faire des efforts draconiens vis-à-vis du secteur médical, notamment en introduisant aussi l'intelligence artificielle. Avec la sécurité, avec le nouveau système de sécurité sociale, l'Égypte veut révolutionner ce secteur. Là, aujourd'hui, nous avons une usine qui va permettre de produire des produits pharmaceutiques. Nous avons besoin de quoi de plus pour animer ce secteur qui était malheureusement au plus mal de son histoire?
Justement, c'est ce point que vous éclairez est très important parce que le but, justement, du gouvernement égyptien, c'est de fournir à l'Égypte et aux Égyptiens leurs besoins importants. Là, l'État égyptien ne veut pas effectivement laisser les choses entre les mains du secteur privé qui ne cherche que le bénéfice. Et justement, le but de cette industrie ou de cette politique, justement, que d'assurer au peuple égyptien d'avoir le maximum, justement, de leur du besoin important et nécessaire et vital. Sur le plan économique, ça, c'est un appui qui est très important. Ne pas laisser les besoins et les nécessités vitales, justement, entre les mains du secteur privé, mais aussi travailler dans le secteur public pour fournir ces moyens, justement, aux Égyptiens pour des prix compétitifs et pas excessifs. Alors, il faut dire que ça a été réalisé en un temps record. Est-ce que cela met plus de pression envers les autres entreprises qui comptent investir en Égypte? Aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'erreur. Non, ce n'est pas une question de ne plus avoir le droit à l'erreur, mais on apprend de nos expériences. Ça, c'est vraiment une chose qui est très importante. Quand on parle sur le plan économique et le besoin d'un peuple de la masse de 100 millions d'habitants comme le peuple égyptien, justement, il y a des besoins importants, des besoins vitaux qui exigent justement que l'État arrive à fournir ses besoins sans passer par un prix excessif ou être dépendant du prix du marché libre à 100%. Voyez, si le marché libre, si on laisse ça aux produits justement de luxe, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle d'un produit vital utilisé dans la médecine, pour le soin de la santé des Égyptiens, ça c'est un besoin vital. Quand on parle de quelque chose qui est lié justement à l'avenir de l'économie égyptienne, et justement pour améliorer les moyens que l'Égypte possède pour qu'il y ait justement une compétition de la part de l'Égypte sur le marché mondial, eh ben là il faut que justement le secteur public joue son rôle. Monsieur Hazem Hassan, merci à vous de votre participation ce matin à notre programme Midi au Caire. Voilà, donc c'était donc un petit aperçu de ce qui s'est passé ce matin. Je rappelle que le président Abdel Fattah el-Sissi a inauguré donc la troisième usine de fabrication de gaz médical et industriel. Cette usine appartient à l'une des plus importantes entreprises du secteur public pour la production des produits chimiques. Cette entreprise a réalisé des progrès records durant les 6 dernières années en inaugurant plusieurs usines de produits. Voilà, c'était tout pour ce matin. Un petit rappel de l'actualité si jamais vous étiez avec nous depuis ce matin ou si vous nous avez loupé. Voilà, très bonne suite de programme. Je vais vous dire aussi quelques nouvelles concernant, avant de vous quitter, le Conseil des ministres, plus particulièrement le chef du gouvernement, Mostafa Madbouly, qui a déclaré que l'État accordait une très grande importance à la santé des citoyens et au développement des services qui leur sont offerts, ainsi qu'au dossier de l'enseignement parallèlement à l'exécution des projets nationaux de développement. Alors, Madbouly a fait cette déclaration hier lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel au cours de laquelle il a passé en revue l'inauguration expérimentale de 11 hôpitaux exemplaires dans plusieurs gouvernorats à partir du 1er novembre. Ces hôpitaux seront le noyau du nouveau système d'assurance médicale globale et offriront des services dignes aux citoyens. Le cabinet ministériel a passé en revue les indices de la performance économique et sociale lors du premier trimestre de l'année fiscale en cours, qui a connu une stabilité du taux de croissance qui a atteint 5,6%. Les ministres ont suivi aussi la situation exécutive des projets nationaux en cours de construction dans toute la République. Ils ont également abordé donc le sujet des moyens de fournir des denrées de première nécessité aux citoyens à des prix convenables. On a encore le temps, donc on profite de vous dire la suite de l'actualité locale avec toujours le Premier ministre Mostafa Madbouly qui a visité hier l'exposition des produits agricoles regroupant des compagnies publiques et privées tenues en marge de la célébration de la 10e édition
de la journée africaine de la sécurité alimentaire. Madbouli a salué la qualité des produits agricoles exposés, soulignant l'intérêt qu'accordait l'État au développement de l'agriculture, à l'expansion des terrains agricoles et à l'emploi des systèmes d'irrigation les plus modernes en vue de répondre aux besoins des citoyens. Le Premier ministre a mis l'accent aussi sur la nécessité d'œuvrer en vue de transformer le rêve africain en une réalité tangible, en dépit des défis auxquels fait face le continent, dont le manque d'eau, les changements climatiques et le fossé qui ne cesse de se creuser entre la production et la consommation. Et le président de l'autorité du contrôle administratif, le ministre Chrif Sefeddine, a reçu hier au siège de cette instance l'ambassadeur de France en Égypte, Stéphane Romatet, pour discuter des moyens de coopération. L'ambassadeur de France était accompagné des attachés de la sécurité, l'attaché culturel ainsi que de l'attaché économie. Monsieur Sefeddine a chaleureusement accueilli cette visite qui appuie, selon lui, le processus de lutte contre la corruption en Égypte et en France dans le cadre du développement remarquable des relations entre les deux pays et les convergences des points de vue concernant les questions d'intérêt commun. Le ministre a mis l'accent sur la profondeur des relations de coopération entre l'autorité et la partie française depuis 2000 à travers des stages de formation en langue française et cela en coopération avec l'Institut français, puis en matière de formation conjointe. L'ambassadeur de France a pour sa part souligné l'intérêt qu'accorde son pays à cette réunion qu'il a qualifiée de stratégique. Il a aussi affirmé que la coopération escomptée à l'avenir constituera un développement sérieux des relations entre l'autorité du contrôle administratif égyptienne et s'étendra au domaine de lutte contre la corruption, mais aussi contre le terrorisme. Et tout de suite, nous avons un reportage, un commentaire donc qui vous fait le point donc sur la situation locale. L'Égypte a récupéré hier de l'Allemagne l'atlas archéologique Sédid, datant du 19e siècle, plus précisément entre 803 et 1218 de l'Égypte, et contenant des cartes ottomanes rares. Et ce, lors d'une conférence de presse tenue au siège du ministère des Affaires étrangères entre les chefs de la diplomatie égyptienne Sameh Chokri et allemand Heiko Maas. Chokri, qui a remis l'atlas à la ministre de la Culture Inès Abdeldeim, a valorisé l'intérêt accordé par l'Allemagne à la restitution de l'atlas à l'Égypte, considérant cette mesure comme preuve de l'attention que prête l'Allemagne à la sauvegarde du patrimoine et des acquisitions des pays et souhaitant voir les autres pays européens lui emboîter les pas. Pour sa part, le ministre allemand a fait aussi de son pays de restituer ce livre rare à l'Égypte, affirmant que ce dernier fait partie des collections de la Bibliothèque nationale égyptienne. La ministre de la Culture a fait l'éloge des efforts du ministère des Affaires étrangères pour récupérer cette nouvelle partie de l'histoire de la patrie, les qualifiant de nouvelles victoires de l'État égyptien et du ministère de la Culture dans le combat de récupération du patrimoine pillé. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme sur la TV internationale. Au revoir.